Et yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite où l'on va tout simplement débloquer ensemble Skin Deadpool. Donc comme vous le savez sûrement, on est actuellement sur la semaine où on a la possibilité de débloquer le skin. On a donc eu bien sûr des défis qui ont été ajoutés petit à petit. On est donc actuellement à la semaine numéro 7. Personnellement, j'ai terminé presque tous mes défis. Il me manque plus qu'un seul défi qui est d'entrer dans une cabine téléphonique ou des toilettes mobiles pour devenir le plus super des super-héros. Donc ça va pas être normalement trop compliqué, il suffit juste de rentrer dans une cabine. Logiquement, on devrait valider le défi et grâce à ça, on aura donc le fameux skin Deadpool. Donc on va réaliser le défi ensemble et comme ça, on va pouvoir débloquer ce petit skin Deadpool. Du coup, les gars, on se retrouve donc en partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans une cabine téléphonique pour qu'on puisse du coup valider le dernier défi de Deadpool. Alors vous avez peut-être pu le voir, mais du coup, on a également aussi le bus de combat qui a changé en forme de Deadpool, enfin du moins en décoration Deadpool. Ce qui était prévu également aussi par rapport aux autres défis. Alors, on va rentrer à l'intérieur de ce bâtiment puisque normalement, on a une cabine téléphonique. Et grâce à ça, ça devrait nous permettre de valider le défi Deadpool. Et donc, logiquement, on devrait avoir le skin. Alors, je crois que elle est située quelque part par là, normalement. De toute façon, on va bien voir. On va passer par ici. Hop. Et je crois que c'est, voilà, c'est juste devant qu'on a une cabine téléphonique. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Et donc normalement, voilà, on avait validé le défi. Et donc comme vous pouvez le voir, on s'est transformé en skin Deadpool. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la partie. Logiquement, on devrait donc récupérer le skin Deadpool dans notre casier. Et on va voir ce que ça va donner, puisque je crois que normalement, on n'a pas l'apparence de Deadpool. Ça devrait arriver la semaine prochaine pour débloquer la vraie apparence. Alors du coup, voilà, on a le skin Deadpool. Le mercenaire Deezer fait partie de l'ensemble Deadpool série Marvel. Ok. On va faire s'équiper. Et en même temps, on va faire obtenir. Voilà. Ah bah j'ai l'impression en fait qu'on a déjà le skin avec la vraie apparence puisque je crois que normalement on était censé avoir... Ah non ok d'accord. En fait on va pouvoir récupérer cette apparence mais en faisant des défis qui seront disponibles je pense la semaine prochaine. Mais du coup c'est plutôt cool puisqu'au final je pense que cette apparence est quand même plus jolie que la deuxième apparence. Donc franchement petit skin plutôt sympa. On va retirer le sac à dos. Comme ça il est beaucoup plus stylé. Ce que je vous propose les gars c'est qu'on va aller en mode créatif. On va se faire une petite map edit avec ce nouveau skin. Comme ça on va voir un petit peu ce que ça va donner. Comme si on était au final en vrai game avec ce skin. Du coup les gars on se retrouve donc sur ma map d'edit. Donc on est du coup avec le skin Deadpool. Alors par contre j'ai oublié de mettre c'était les katanas. Mais bon c'est pas trop grave puisque c'est vrai que normalement les katanas viennent avec le skin. Du coup on va l'essayer. Vous voyez que c'est un skin qui est... Bon il est pas non plus super gros mais il est quand même un petit peu imposant. Mais ça a l'air d'aller. On va essayer de se faire un petit temps avec ce skin. Alors je l'ai raté, on va recommencer. Hop, c'est parti. Et on va voir du coup ce que ça donne. Mais autrement franchement le skin est pas mal du tout. C'est vrai qu'on a déjà eu peut-être mieux. Mais je pense aussi qu'on a déjà eu pire au niveau des skins des saisons. Surtout que la saison précédente je sais même plus si on a vu un skin. Mais on va dire que celui-là est quand même pas mal. Surtout pour des personnes qui sont fans des Marvel. Et en plus de ça c'est un skin gratuit. Donc on va pas non plus trop se plaindre. Alors par contre je crois que pour avoir le skin vous devez avoir le pass de combat. A mon avis vous pourrez pas avoir le skin si vous n'avez pas eu le pass de combat. Alors par contre, je vais essayer de me concentrer un peu parce que sinon je vais rater des edits. Hop. Alors j'aurais pu également aussi mettre le camouflage. Puisque la semaine dernière on a vu les défis pour avoir le camouflage Deadpool. Mais c'est pas trop grave. Le but c'est d'essayer de voir au moins ce que donne le skin. Ah par contre le bot... Ah j'ai oublié celui-là. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas refait cette map hein, parce que là je galère un peu. A mon avis je pense pas que je vais faire un très bon temps. Là j'ai déjà perdu pas mal de temps. On va quand même essayer de se rattraper sur la fin. Ça serait pas mal. Bon, en tout cas c'est plutôt cool d'avoir un nouveau petit skin comme ça. Vu que du coup la semaine prochaine on aura en même temps l'autre apparence. En faisant bien sûr les prochains défis qui arriveront. Mais là c'est vrai que c'est bien, c'est qu'on a directement eu l'apparence, enfin du moins la vraie apparence de Deadpool, qui est je pense très honnêtement la plus jolie bien sûr. Hop, on fait ça, là c'est les extens. Wow. Parfait ça. Bon, je parle pas trop mais j'essaye de pas rater d'édits parce que si je parle à chaque fois je rate tous mes édits. Voilà. Ce
ce que j'ai dit. Hop. Bon, très honnêtement, le temps, on s'en fout, hein, c'est pas grave. J'aurais pas fait non plus un truc de fou. Mais au moins, vous aurez pu voir ce que donnait ce petit skin. Ah, on va pas tirer, ok. Ah, mais en fait, j'ai du ping, d'accord, ok. Je comprends mieux. Ok, bon. Heureusement qu'on arrive bientôt à la fin de la map parce que là, c'est un petit peu galère. Hein. Ok, hop, nickel. Non, ça pas build. Bon, je crois que j'ai raté quelques escaliers, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, vas-y, c'est pas grave. J'ai raté plein de trucs, j'ai fait n'importe quoi là cette étape. Mais tant pis. Ok, hop. Par contre, je galère vraiment, hein, c'est incroyable. Ok, là c'est ici. Hop. Ok, on arrive à la fin, heureusement. Je pense qu'on n'a pas non plus fait un temps fameux. Ouais, 6-26, c'est moyen. Mais bon, c'est pas trop grave. Bon, moi du coup, les gars, on aura pu tester ce nouveau petit skin. Donc, vous voyez qu'il ressemble à ça. Donc, franchement, un petit skin plutôt sympa, surtout que c'est gratuit. Donc, autant en profiter. Du coup, bah écoutez, les gars, j'espère que cette nouvelle vidéo, eh bien, vous aura plu sur la présentation de ce nouveau skin de Deadpool. Donc, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas également aussi de rentrer le code Créateur Freezer dans vos boutiques Fortnite. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui continuent de me soutenir chaque jour dans la boutique. Et puis, bah, nous, sur ce, les gars, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.